tu fais ces sauts sans tomber à l'eau, tu gagnes de l'argent. On est actuellement sur un barrage entouré d'eau. Charles, si t'arrives à faire un salto sur ce pont, tu gagnes 100 euros. Ok, c'est parti. Ah, allez, solide. 1, 2... Oui. Pas mal. J'ai les jambes qui tremblent. Mais au moins, pour le premier challenge, je suis toujours sec. Avec toutes les folies qu'on fait sur la chaîne, vous avez déjà demandé ce que ça faisait si on tombait. Aujourd'hui, on va pouvoir tenter les sauts les plus fous sans avoir peur de tomber en s'explosant sur le béton. Je veux pas être mouillé. Et pour relever le challenge, on est avec les copains de Hit The Road, les boss de l'escalade urbaine. Et après leur grimpe sur la Tour Eiffel et sur le Chris de Rio, Mel va essayer de nous mettre en sueur sur des challenges de plus en plus durs. Ok, pour ce challenge, je suis accompagné de Paul. Comment allez-vous? Et muito bien. Paul va devoir partir de cette plateforme-là et atterrir sur le petit ponton avec ses mains. Il y a un petit danger, je ne sais pas si vous voyez, c'est que le mur il se stoppe. Donc on a une grande chance de glisser avec les yep et de s'éclater les genoux. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Parce que le but, les gars, c'est que vraiment il atterrisse comme ça. Putain, ça glisse quand même. Le problème, c'est que ce mec-là fait 4 mètres de haut. Là, on a une surface de 20 cm. Donc, je pense qu'il va taper les genoux, les tibias, les chevilles, voire même peut-être le torse, tellement il est grand. Tu vois. Allez, Paul, your frito. Ouais. Ouais. Allez, Paul. Il prend de l'élan, il prend de l'élan. C'était incroyable, en bout de doigt. Respect parce qu'il est vraiment dur, j'avoue. Prochain challenge. On se retrouve sur le spot du barrage, tout simplement pour mettre Clément, ici là, en galère. Pour ce défi, tu vas devoir monter sur cette barre... dégueulasse. Et tu vas devoir sauter et atterrir sur le petit renfort que nous voyons sur ce pont. Regardez les gars, l'épaisseur de l'accroche. Là franchement, t'as au moins 5 cm d'accroche, pas plus. Hein. Le problème de Mel, c'est qu'avec cette petite main, elle pense que c'est un bac, alors qu'en fait non, c'est une réglette. C'est pas la même chose. Non, ta main, c'est... Là. Ça fait... Oui bon voilà, allez, va te faire foutre. Allez, on y va. Oh là là, il tremble, allez, il tremble. Allez, c'est loin, c'est loin, c'est vraiment loin. Je te jure, c'est super loin. Et le pire, c'est que... Oh my god! C'est quoi? Ah, j'y vais! Oh, allez! Allez! Oui! Oh, oui, purée! Il a réussi! Il a réussi! Incroyable, les gars! J'y croyais pas! J'y croyais zéro! Le retour de force, j'ai cru que j'allais lâcher! Oh, il était incroyable ton saut! Est-ce que tu devrais le refaire? Je veux pas le refaire, c'est mort! Moi, j'encaisse la thune et je me barre! Allez, ciao! Charles, depuis qu'il a vu Clément sauter et réussir, il en peut plus, il a trop envie de le faire. En plus de ça, j'ai envie de potentiellement pouvoir empocher 100 euros de plus sur un challenge aussi cool que ça, quoi. Mais du coup, on n'a pas dit là que t'allais empocher 100 euros. Est-ce qu'on fait empocher 100 euros à Charles s'il réussit? Non. Non. Bon bah vu qu'ils ont tous dit non, moi je dis oui bébé. Et comme c'est moi le maître du jeu... Allez. Là, il y a corruption du juge, là. Moi les gars, je veux que Charlie tombe. Du coup, je l'emmène sur des défis qui vont lui faire envie. Demain, vous verrez, on a une vidéo sur notre chaîne. On a tout tenté, il s'accroche. Je veux qu'il tombe malade parce que l'eau, on le rappelle, est dégueulasse. Moi les potes, je vous emmène avec moi. Je vous mets dans ma bouche pour que vous puissiez voir la vue que j'ai, du coup. Voir les poissons une fois dans l'eau aussi. Et ouais, pour essayer de voir s'il y a des méduses ou pas. Et allez, le courrier, éclate-toi. Allez, force. Ah, Ninja Warrior ou pas? Ouais, ah ouais, déjà. Oui! Oui! J'en mets! Il a eu son petit public là. Ouais, la sensation, elle est folle! Cela veut dire que vous n'avez pas gagné vos 100 euros chacun, mais que vous allez vous battre tous les deux pour gagner 100 euros! Là, regardez, on va se suspendre à cette poutre-là et on va traverser le plus rapidement possible en face à face, donc ça va se donner des coups de coude. Le plus rapide remportera les 100 euros. 3, 2, 1, go! Oh mon dieu, mais ils sont serrés de ouf! Oh là là, c'est un peu bizarre. Oh punaise, Charles, il y arrive! Oh, mais Clem, là! Clem, c'est un vieux papy, ça y est! Clem a eu 1000 merdes de son côté. Il y a un milliard de toiles et de cailloux, je me suis niqué les doigts. J'ai les toiles d'araignée, la crasse imprimée dans mes doigts. Et tu mettais des petits coups de genoux en avançant, du coup je pouvais pas lutter. Et c'était volontaire, j'ai essayé de viser les testicules mais j'ai pas réussi. Caching. Prochain challenge. Sur ce nouveau spot, je suis avec mes Avengers tout derrière et nous allons faire une flopée de challenge parce que ici il y a plein de challenges à faire. Ils sont pas rassurés. Pour ce nouveau challenge, les gars vont devoir sauter de cette plateforme ici jusqu'à là-bas. En se raccrochant avec les mains. Je vais pas me répéter, moi j'arrête ce tournage. Les gars, le saut ultime, il y a au moins 3 mètres de distance en réception réglette. Je sais pas si ça va faire plouf, mais à mon avis là... Je veux pas être mouillé. En fait, il est tellement loin que je pense que le choc, je vais l'avoir, mais le choc va me faire lâcher. Ah, il est loin, mec. Allez, j'y vais.
fuck. Ah, il est tellement violent le saut. What the fuck. Je vous déteste. Je pue la vase, mon gars, c'est un scandale. Le vol plané, les gars. Voilà, moi je capitule là. Je capitule, les gars. J'ai pas envie de le faire. Je sais pas si on verra que mes mains sont très rouges tellement ça m'a mis une claque. Ah mais oui, c'est pour ça que je pue, j'ai de la vase dans le cul, mec. Oui. Par contre les gars, faut vraiment pas que je traîne parce que la marée est en train de descendre et si je veux pas m'éclater contre le béton en bas, faut vraiment que j'y aille maintenant. Avant que Charles se lance sur ce saut, on va lancer un autre challenge. Paul, on le sait tous, c'est le roi de l'équilibre, donc il va devoir faire un équilibre sur cette petite poutre. Un équilibre sur les mains. Un équilibre sur les mains, pas un équilibre sur les pieds quand même, tu m'as pas pris pour un lapin de 3 semaines. Liste, moi. Yes. Yes. Allez, twerk. Twerk. What? Oh là là. Allez, mon Charlie. Allez, mes bouilles. Tu vas tomber. C'est quoi le cash prize? Cherche pas, tu vas tomber. Bon les gars, abonnez-vous à la chaîne Charlie Mélanie. On va sélectionner 30 personnes au hasard pour vous envoyer des vidéos dédicacées, personnalisées. En attendant, je pars à la flotte, moi. Let's go. Allez. 3, 2, 1. Allez, Charlie. Allez, 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 allez. Ça fait mal aux mains. T'as vu, il a soulevé le fond maintenant là. Ah ouais, j'avoue. Non. Impossible à tenir. On va se rattraper sur les prochains challenges. Sur ce challenge, vous allez devoir vous suspendre en hauteur et réatterrir sur un croisillon, là où Clem fait le crabe. J'ai ici même quelques billets. Nous avons 20, 30, non. Je vais recompter ce que vous nous filez. Du coup, c'est parti pour 200 euros, let's go. J'espère que Clem va tomber. Mais arrêtez de m'envoyer des mauvaises ondes. Bon les gars, quand faut y aller, faut y aller. C'est à Clem qui me laisse passer devant. Regardez la zone de précision, les amis, il y a à peine la place pour ses deux pieds. Oh là là, c'est trop stressant, je déteste. Oh mon dieu, je peux pas regarder. Attends, là, tu vas te lâcher, là. Oh mon dieu. Attendez, vérifiez qu'il soit bien en dessous. Oh. Deux. Je peux pas regarder. Un. J'ai pas regardé. J'ai mérité mes 200 euros. Allez. T'es pas vraiment dans l'axe, hein. Moi j'ai mis une main sur la réglette dégueulasse des tuyaux pour être dans l'axe. Je me suis vraiment mis dans l'axe. Ah, je me vois derrière, j'ai pas envie de risquer une... Faut faire un petit balancé, ouais. Je crois en toi, enlève ta casquette. Bah moi tu vois, je crois pas en moi. Eh ben... Je sais pas, j'ai un feeling de blessure, j'ai pas envie de forcer... Moi je pense que Clem c'est un vieux sage qui est vieux pour une raison, tu vois. Si tu le sens pas, le fais pas. Toujours important à garder en tête pour éviter les blessures nulles. En tout cas, moi j'empoche les 200 balles. Et maintenant, on passe au challenge ultime. Vous ne passerez pas. Les amis, il faut savoir que derrière nous, et ça ne me rassure absolument pas, il y a une chaîne rouillée d'un diamètre colossal qui est juste ici, qui fait toute la traversée. Je me demande ce que tu nous réserves. Annonce. Pour commencer, vous allez devoir mettre vos pieds ici et atterrir sur la chaîne en face. Mel, la chaîne, elle bouge, je crois. Bien sûr. Évidemment. C'est si simple avec Mélanie. Alors, vous sautez ici, vous préparez un clafoutis. Dans les airs, vous nous récitez les 5 décimales de Pythagore. Oh, j'ai une super bonne idée. Non, arrête, stop. Vous allez devoir, genre, chanter un refrain de ce que vous voulez. Déjà, on va devoir pas mourir. Je n'en peux plus, là, du maître du jeu, là. Chacun trouve une chanson, et moi, je prendrai Il était un petit navire. Allez. Ah, fait chier. Ok. Ah, le bâtard! Le bâtard, il a pas fait plouf! Incroyable! Purée! Je suis fort, le mec, tu rigoles, bien joué! Il nous a allégé de 300 euros là! À moi, les gars! Je vais essayer de le stabiliser et de pas partir en arrière comme toi! Oh. S'il le stabilise sans toucher les mains, il a un petit 50 balles supplémentaires! 100 balles même! 100 balles! C'est mon mec, hein, il faut bien qu'il ait des avantages! Mais... Elle, c'est une vendue de ouf, j'ai jamais vu ça de ma vie! Quand tu veux. Et même si t'es à l'eau, tu chantes la chanson, hein! 3, 2, 1. Ouah Ouah oh il l'a stabilisé. Ouah oh sous l'océan. Sous l'océan. Oh sous l'océan. Il a réussi à stabiliser. Comment t'as fait ça, mon gars? Il y avait 5% de chance que j'arrive à le faire. J'ai vraiment une chance de cocu.
Comment ça ? Paul, tu vas recevoir un colis chez toi d'une petite tenue de princesse Disney et tu vas devoir nous faire une photo de toi en petite sirène ou en petite princesse en mode parcours. Félicitations en tout cas à vous. Il y a une vidéo qui sort sur leur chaîne demain, on a fait plus de Water Challenge, donc allez les voir, lien dans la description et surtout abonnez-vous. On se voit vite, peace.